Bonjour à tous et bienvenue sur Boursikoter.com pour cette nouvelle analyse technique, forex, matières premières et crypto-monnaie, avec une paire de devises euro-dollar qui repasse au-delà des 1,0670, mais dans un mouvement qui est purement technique. On continue ici à évoluer sous les moyennes mobiles. On a eu un test donc de cette zone majeure des 1,0670. Donc je rappelle que le franchissement confirmé eh bien, nous donnera un signal moyen terme assez puissant. Là, ce que l'on peut observer, c'est que le point bas que nous avons connu ici, eh bien, il est quasiment identique au point bas que nous avions connu ici lors du mois de mai. Donc, on peut dire que l'on est venu eh bien, tester cette zone de support et que l'on reste dans l'épaisseur du trait. Par contre, tant que les cours ici ne repassent pas au-delà des 1,0780, eh bien, on est toujours ici dans cette dynamique baissière assez forte. Alors, on a un dollar index qui s'est un petit peu calmé là ces derniers temps. Mais s'il venait à remonter, et ça pourrait être le cas demain en fonction de ce que dira la Fed, eh bien on pourrait avoir donc un franchissement confirmé de cette zone de support, ce qui me donnerait donc des signaux à moyen terme relativement négatifs. Pour inverser donc la tendance, il faudrait au minimum repasser au-delà des 1,0780, mais on sera totalement sur une dynamique haussière en cas d'un retour éventuel au-dessus ici des 1,0925. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on se stabilise ici autour de la zone des 1,24 qui était l'objectif suite à la rupture ici des 1,2610. Par rapport, je dirais, à la configuration, c'est plutôt ce niveau intermédiaire ici qui a été testé donc au mois de mai, lui aussi proche des 1,23, qui en cas de cassure nous donnerait des signaux assez négatifs. Donc on confirmerait sous 1,2270. Globalement, donc la configuration est un peu la même que celle que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, savoir des cours qui sont plutôt au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme zone de résistance. Là, malgré cette phase de neutralisation, on reste donc sur un biais plutôt négatif. Attention donc à une cassure confirmée de cette zone des 1,24 avec comme objectif ici la zone horizontale des 1,2270 et en cas de contact avec cette zone, eh bien, des signaux moyen terme qui deviendraient fortement baissiers. Au niveau de l'or, ça reste toujours très neutre et ce tant que l'on oscillera entre 1910 et 1957 dollars l'once. Globalement, on était sur une phase de consolidation qui s'est neutralisée. 1957, voire une rupture ici de cette zone intermédiaire des 1980 dollars l'once nous redonnerait un petit signal haussier, alors qu'il faudrait casser ici 1880 pour revenir sur une dynamique baissière qui est pour l'instant le sens porteur de la dynamique. Mais globalement, tant que l'on est autour de cette zone des 1910 dollars l'once, eh bien c'est neutre quasiment à tous les étages. Bon, d'un point de vue moyen terme, on serait plutôt ici sur une dynamique portée par la hausse, mais ici, je dirais, le tempo de cette tendance et la neutralisation autour des 1910 est en train plus ou moins d'invalider ici ce fond de tendance, malgré le fait que nous sommes ici sur un mouvement qui vient d'un record historique sur le métal jaune. Mais pour cela, il faudrait revenir au minimum au-delà des 1980. C'est donc relativement neutre actuellement sur le métal jaune. Au niveau du pétrole et notamment du WTI, eh bien, on a quasiment touché l'objectif que je vous avais donné depuis maintenant quelques jours. Et c'était même celui-ci qui était l'objectif en cas de rupture des 84 dollars le baril. C'est quelque chose qui avait été annoncé. Donc cette rupture, eh bien, elle a confirmé le retour de la volatilité du WTI. On avait un objectif intermédiaire à 88 dollars le baril qui n'a pas fait énormément de, je dirais, de réaction sur l'évolution des cours, et donc on le voit, on est quasiment à l'objectif. On pourrait même dire que l'on est dans l'épaisseur du trait ici au niveau de cette bougie. Et eh bien le plus haut se trouve à 92,25. Bon, on peut dire que l'objectif est quasiment atteint. Donc globalement, dans cette configuration, d'un point de vue moyen terme, on est là dans une dynamique haussière clairement. Il faudrait casser ici à la baisse la zone des 84 dollars le baril pour commencer à neutraliser cette tendance. Et donc globalement, tant que l'on est au-dessus, on le voit, hein, contact bol supérieur, on continue ici à monter malgré une divergence baissière ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI lui continue à monter, ce qui nous laisse un petit peu de marge pour continuer à monter sans être dans une situation d'excès. Et donc globalement, pour l'instant, la tendance reste haussière avec eh bien, un contact sur 92,50 qui est plus ou moins attendu, sachant qu'une rupture de cette zone eh bien, nous donnerait un objectif de poursuite ici en direction de la zone des 98 $ pour un baril de brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici sur un mouvement essentiellement technique, mais qui est en train de prendre un petit peu de la force. Hier, j'attirais votre attention sur le contact ici, hein, sur cette bande de Bollinger supérieure. On a un deuxième contact hein, sur la bougie du jour. On est ici en vue daily. Et grossièrement, tant que maintenant la moyenne mobile 20 exponentielle reste support, on est rentré d'un point de vue court terme ici dans une dynamique qui est positive. Et tout ça vient d'un contact ici sur cette zone majeure des 25 200 qui a donné lieu ici à une forte dynamique. On est dans un premier temps revenu sous la moyenne mobile 20 exponentielle, puis il y a eu franchissement. On le voit ici sur toute cette phase, la moyenne mobile est devenue support. Et donc clairement, le fait ici que l'on remonte eh bien, nous indique un potentiel changement de dynamique. Alors pourquoi potentiel? Tout simplement parce qu'il faut casser ici ce point haut significatif, hein, proche des 28 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour conclure au fait que nous sommes sur un retournement, mais toute rupture éventuelle de ce point haut et retour ici sur la zone des 29 000 eh bien, nous donnerait des signaux, je dirais, de retournement qui sera assez intéressant à suivre, notamment en cas de rupture haussière ici des 29 000 $ pour un Bitcoin. Donc on commence à retrouver ici des sentiments positifs avec naturellement un niveau d'invalidation qui se situe toujours sur cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, qui en cas de cassure baissière, eh bien, nous donnerait pas mal de signaux annulés, des signaux positifs annulés sur un horizon de temps moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et la Fed, toujours sur le site Boursikoter.com.